Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la forme. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Sheffield United-Manchester United. C'était une rencontre qui comptait pour la 9e journée de Premier League. Victoire des Red Devils 2-1 à Bramall Lane. Scott McTominay avait ouvert la marque à la 28e minute de jeu. À la 34e, McBurnie égalise pour les locaux. Et à la 77e, Diogo Dalot arrache les 3 points pour les hommes d'Erik Ten Hag. Et avec ce résultat, Manchester United enchaîne avec une deuxième victoire consécutive après celle contre Brentford avant la trêve internationale. Au classement, je te l'affiche ici hein, comme d'habitude, on remonte à la 8e place de ce championnat avec 15 points en compteur. 5 victoires et 4 défaites, on compte un point d'avance sur West Ham 9e. Et on a seulement un point de retard sur Brighton 7e et Newcastle 6e. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match. Avant toute chose, j'aimerais rendre hommage à un joueur de Manchester United, une légende du club, hein, Sir Bobby Charlton, qui nous a quittés à l'âge de 86 ans. C'était un joueur qui a marqué le football anglais globalement. Hein, Il a permis à l'Angleterre d'être championne du monde en 1966. Il a permis à Manchester United de remporter sa première Ligue des Champions en 1968. Il a remporté le championnat anglais, la Coupe d'Angleterre. C'est un joueur mythique hein, à Manchester United. Et ouais, il nous a quittés malheureusement. Paix à son âme et toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Hein. C'est triste hein, malheureusement pour le football anglais en règle générale. Donc, comme je disais, paix à son âme et puis toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Après, pour revenir à ce match face au Blaze, face à Sheffield United, la première période a été compliquée pour les hommes d'Erik Ten Hag. On voit encore une équipe de Manchester United qui a des gros symptômes, qui on voit encore que United est malade, hein, que ça soit dans l'impact physique, dans l'agressivité, dans la finition de nos actions, tu voyais que on a les carences qui reviennent régulièrement. Tu vois, on est vite rattrapé par nos carences. Sur les phases offensives, les 20 premières minutes, elles étaient compliquées. On n'a pas montré grand-chose. On manquait cruellement de créativité. C'est comme je disais dans mes précédents débriefs, il nous manque un vrai milieu relayeur, un vrai box-to-box qui a la capacité à récupérer des ballons, à se projeter vers l'avant. C'est pas le cas de Amrabat et de McTominay qui sont pourtant de bons joueurs, mais c'est pas le profil qu'il faut. Enfin, Amrabat c'est pas un vrai milieu relayeur, c'est un milieu défensif, c'est comme Casemiro ou même McTominay, c'est pareil, c'est un 6. Il y en a, ils disent oui, c'est un box to box. Non, McTominay n'est pas un box to box. On le voit à chaque fois dès qu'il a ballon, il a pas ce coup de rein, il a pas cette énergie pour justement aller vers l'avant, avoir apporté cette touche technique pour justement faire des différences sur les passes, sur comment dire, sur les courses. Tu vois bien que McTominay, il n'a pas ce volume de jeu qui est adéquat à ce profil de milieu relayeur. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais McTominay n'est pas un milieu relayeur. On voit bien dès qu'il a le ballon, bah, tu vois qu'il essaie vite de s'en débarrasser. C'est pas un joueur qui va prendre le ballon, faire des courses, proposer du jeu. Il n'a pas ce profil-là. Donc, tu voyais que Bruno Fernandes, il était obligé de redescendre à chaque fois pour faire le jeu. Et tu voyais qu'au milieu de terrain, bah, tu avais un trou. Tu avais un trou et donc, du coup, c'était compliqué pour les attaquants d'avoir du ballon, quoi, avoir des passes et de faire du jeu, quoi. Donc, c'était compliqué. Après, sur les phases défensives, on voyait que United était un petit peu aussi en difficulté. Sheffield qui nous mettait de la pression, il mettait de l'intensité, de l'agressivité dans les duels. Ils ont eu des occasions. Heureusement pour nous, on avait un Onana qui était dans un bon jour, qui a fait des arrêts importants, qui était rassurant sur sa ligne, qui a fait de bonnes relances au pied. Il a été rassurant et aussi une défense qui était plutôt sereine. Maguire et Evans, la charge centrale qui a été plutôt solide. Donc, première période un petit peu compliquée, mais contrôle de cours du jeu. On ouvre le score à la 28e grâce à Scott McTominay sur un jeu en triangle entre Victor Lindelof, Bruno Fernandes et le milieu écossais. Lindelof qui trouve à l'entrée de la surface Bruno Fernandes, le Portugais qui centre pour McTominay qui contrôle de la poitrine et enchaîne avec une reprise de volée. Petit filet, ça fait 1-0. Très beau but de la part du milieu écossais qui au passage marque son troisième but en deux matchs. Il avait inscrit un doublé dans les dernières minutes face à Brentford, ce qui a permis aux Red Devils de prendre les 3 points.
Là, cette fois-ci, il récidive, il est en forme. J'espère que ça va continuer par la suite. Donc, ça fait 1-0 pour les Mancuniens, mais très rapidement, on est rattrapé par des erreurs stupides, des buts de casquette, des erreurs, quoi, des erreurs stupides. Quelques minutes après le but de McTominay, bah, on concède un penalty suite à une main justement de Scott McTominay, hein, le milieu écossais qui décolle, on voit bah, sur l'action, le bras est décollé du corps, le ballon bah, qui rebondit sur son bras. Penalty, logique, y a rien à dire, hein, on ne peut pas contester. Penalty qui a été transformé par McBurnie, l'attaquant de Sheffield United. André Onana, le gardien camerounais, peut rien faire. Hein, il était parti du bon côté, mais penalty, bah, la frappe était bien placée, hein, pour le gardien de Manchester. Donc ça fait un partout entre les deux équipes. C'est le score à la mi-temps. Deuxième période, Eric Ten Hag, le coach mancunien, fait des changements. Avec les entrées en jeu de Eriksen, de Garnacho ou encore de Martial, pour essayer d'apporter du son œuvre dans l'effectif. Il a essayé de faire des changements, ce qui a plutôt bien payé. On a vu l'entrée en jeu d'Eriksen au milieu de terrain. Il a apporté cette touche technique qui manquait en première période. Le jeu était beaucoup plus fluide dès qu'il est rentré en cours de match. On a eu des occasions. Comment dire, avec Garnacho, avec Højlund, ou même avec Bruno Fernandes, ça passe toujours pas. On est tombé aussi sur un très bon Foderingham, le gardien de Sheffield, qui a fait de nombreux arrêts en deuxième période. De son côté, Sheffield qui a eu des occasions aussi. Onana est toujours vigilant, et la défense également aussi, hein, Harry Maguire et Evans. Et à force de pousser, United qui est récompensé de ses efforts avec le but de Diogo Dalot à la 77e. Magnifique but de la part du Portugais qui est servi à l'entrée de la surface. L'action était côté gauche. Décalage dans l'axe pour Dalot qui enchaîne avec une frappe enroulée, pleine lucarne. Foderingham qui la touche du bout des doigts, mais pas suffisant pour la sortir. 2 buts à 1. On s'en sort très très bien, même si en fin de match, Sheffield a essayé d'égaliser. Voilà, on a su tenir cet avantage. Et on repart de Sheffield avec les 3 points. Et ça fait plaisir. Je dirais pas qu'on se met dans de bonnes conditions avant le match contre Copenhague en Ligue des Champions. Mais en tout cas, comment dire, on se met de, comment dire, mentalement, on est quand même, on prend de la confiance mentalement pour le match contre Copenhague en Coupe d'Europe. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Eric Ten Hag a mis en place pour ce match. L'11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc, c'était un 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages. La charnière centrale, c'était Harry Maguire associé à Johnny Evans. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Victor Lindelof à gauche. Défenseur suédois qui jouait dans un poste hybride, hein, pour lui. D'habitude, il joue dans l'axe de la défense. Là, il se retrouve à gauche, hein, à la place de Reguilón, de Malacia ou encore de Luke Shaw. Les trois sont blessés. Mis à part Reguilón, hein, qui est sorti de l'infirmerie, qui n'est plus blessé, mais qui n'était pas physiquement prêt à 100%. Il n'était pas prêt pour ce match. Donc Lindelof qui jouait à arrière-gauche. Sofiane Amrabat et Scott McTominay au milieu de terrain. Amrabat qui remplaçait Casemiro blessé. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine. Anthony, milieu latéral droit. Marcus Rashford, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouvait le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par Eric Ten Hag. On a vu l'entrée en jeu de Raphaël Varane à la place de Johnny Evans en défense, qui est sorti sur blessure. Décidément, on a de la chance avec les pépins physiques. Christian Eriksen qui est entré en jeu à la place de Scott McTominay au milieu de terrain. Alejandro Garnacho à la place d'Anthony sur le flanc droit de l'attaque des Red Devils. Anthony Martial qui est entré en jeu à la place de Rasmus Højlund. Et en fin de match, on a vu aussi Mason Mount qui est entré en jeu à la place de Marcus Rashford. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette composition d'équipe? L'entraîneur néerlandais qui a remis à peu près le même 11 que contre Brentford. Il a remis cette charnière centrale Harry Maguire, Johnny Evans, qui a encore une fois très bien fonctionné. On a revu ce milieu de terrain, on a vu McTominay titulaire cette fois-ci. Amrabat également titulaire au milieu de terrain. Bon, c'était pas le duo, on voyait qu'il n'y avait pas une excellente connexion entre les deux. Tu voyais que ils s'apprenaient à se connaître, c'était un petit peu compliqué pour les deux à avoir une bonne connexion, hein, tu vois que c'était un petit peu difficile.
Mais voilà, bah, j'ai préféré par exemple le match de Amrabat qui était, bah, qui apportait de la vista, qui avait à chaque fois dès qu'il déclenchait une passe, ça cassait une ligne. Tu sentais qu'il faisait de grosses différences dans les passes et même dans ses interventions. J'ai préféré la prestation d'Amrabat à McTominay. Et voilà, après le reste c'est du classique, hein. Rashford, Højlund, Fernandes, Anthony, c'est du classique quoi, globalement. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Sheffield United. Les Blades ont eu 38% de possession de balle, 5 corners, 9 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 3 hors-jeu de signalés. Et du côté de Manchester United, 62% de possession de balle, 4 corners, 11 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 4 hors-jeu de signalés. Donc quand on regarde les stats, alors oui, Manchester United a eu la possession de ballon, mais on a souvent, comme je disais, on est souvent rattrapé par nos carences sur les phases défensives. Tu vois qu'on a du mal des fois à conserver l'avantage, hein, cet avantage d'un petit but, comme on l'a vu en première période. Sheffield qui peut avoir des regrets aussi parce qu'ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas su faire la différence en deuxième période. Nous, on a su le faire, mais tu sens quand même que c'est compliqué quand même devant le but, quoi. Que ça soit avec Højlund, Rashford ou encore Anthony, tu vois que c'est quand même délicat. Maintenant, les tops et les flops de cette rencontre. On va commencer par André Onana, le gardien camerounais. Je le mets dans les tops, hein. Il a fait un match assez correct. Il a été rassurant sur sa ligne, pour une fois. Les relances au pied propres, pas grand-chose à signaler pour le gardien camerounais. La charnière centrale, Johnny Evans, Harry Maguire, très bon match d'Harry Maguire, très bon match du défenseur anglais qui a été très bon dans ses interventions. Il a mis de l'agressivité, du caractère, il a alterné passe longue, passe courte, et c'était toujours propre. Rien à rajouter pour Harry Maguire, donc je le mets dans les tops. Johnny Evans également, je le mets dans les tops, il a été très très bon. C'est pareil que Maguire, il a alterné jeu long, jeu court, c'était propre. Les interventions également. Il n'hésitait pas aussi à porter le surnom sur les phases offensives. Hein, tu voyais qu'il participait aux phases offensives de United. Bon match de la part de Evans. Les latéraux, Dalot et Lindelof. Diogo Dalot, il a fait un bon match, même si par moments sur les phases défensives, il a été un petit peu en difficulté. Mais globalement, il a fait un bon match. Il a été présent sur les phases offensives. Il a porté de la vitesse. Les centres, il faut qu'il. C'est toujours pareil, il a du mal comment dire, à corriger ses centres, à faire de bons centres pour Højlund et Rashford. Tu sentais que c'était compliqué aussi sur les centres, mais il a été bon, il a été buteur sur le deuxième but, hein. Il a été buteur. Donc, bon match de Dalot. Donc, comme je le disais, je le mets dans les tops. Lindelof, très bon également, même s'il n'a pas l'habitude, pardon, de jouer arrière-gauche, il a été très très bon. Il n'hésitait pas à monter, tu sais, il ne se contentait pas juste de défendre, il a porté le surnombre, il a porté de bons centres aussi. Il a été aussi à l'origine du but de Scott McTominay, donc très bon match du défenseur suédois. Le milieu de terrain, Amrabat et McTominay, comme je disais, j'ai préféré l'appréciation d'Amrabat à celle de McTominay. Amrabat qui a apporté de la vista, tu voyais que dans ses interventions il y avait beaucoup d'intelligence, il mettait de l'agressivité pardon, quand il fallait, les interventions elles étaient propres, les passes impeccables, rien à rajouter, à chaque fois dès qu'il y avait une passe ça cassait une ligne, ça cassait le pressing des joueurs de Sheffield United, donc très bon match du milieu marocain, donc je le mets dans les tops comme je disais. McTominay, je le mets dans les flops par contre. Il a pas été étincelant. Alors l'entame de match était bonne de la part de McTominay, mais au fur et à mesure, bah, il a un peu décliné. Et puis après, en deuxième période, il a disparu des radars. C'est dommage pour lui. Donc voilà. Après, Bruno Fernandes, je le mets dans les tops. Même si c'était un petit peu compliqué pour lui en première période, à chaque fois, il était obligé de redescendre pour proposer des solutions à ses partenaires. Il a été quand même bon, hein. C'est lui qui a essayé de faire le jeu de United, d'apporter de la créativité, de la touche technique. Il n'a pas été étincelant, mais on va dire que ça va. Bruno Fernandes, il a été correct, donc je le mets comme je disais, dans les tops. Anthony, pas un bon match, je n'ai pas trouvé percutant, je n'ai pas trouvé étincelant sur son côté droit. Il a des fois, dès qu'il avait le ballon, bah, tu sentais qu'il faisait pas beaucoup de différence, pas beaucoup de prise de risque.
C'est encore une fois, c'est un match à oublier pour l'ailier brésilien. Rashford, pareil. En ce moment, Rashford, il met pas un pied devant l'autre. Je le mets également dans les flops. Tu vois qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à percuter, à porter de la vitesse, à être tranchant dans la finition. Il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace en ce moment. Donc, ouais, c'est compliqué pour Rashford. Et Olyound, pareil. Olyound, ça a été compliqué également. Il a eu des occasions, il ne les met pas au fond. J'espère contre Copenhague, il va être efficace. Hein. En Ligue des Champions, il répond présent malgré tout. Il est sur 3 buts en 2 matchs. Donc, j'espère qu'il va planter en Coupe d'Europe contre Copenhague. Voilà, on aura besoin de lui. Mais en tout cas, contre Sheffield, c'était pas ça. Et les remplaçants, Varane, Eriksen, Garnacho, Martial et Mason Mount. Le seul que je mettrais dans les tops, c'est Christian Eriksen. Et si, peut-être Raphaël Varane aussi. Varane et Eriksen, je les mets dans les tops. Je les ai trouvés bons dès qu'ils sont entrés en jeu. On a senti vraiment ils apportaient quelque chose de bénéfique à l'équipe. Ils bonifiaient le jeu des Mancuniens sur les phases défensives et aussi sur les phases offensives, surtout Christian Eriksen. Et après, bah ouais, Garnacho, Martial et Mount. Ils m'ont pas convaincu. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Sheffield United Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Hein, je te mets le lien juste ici, enfin, le nom de mon Instagram. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!